Bien, nous sommes arrivés là. Et on doit aller ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour le purificatoire, normalement. Regardez, Den, c'est le purificateur. Ah, purificateur, pas purificatoire, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore? Et Den, ton père et moi avons initié ce projet il y a 5 ans, suite à l'épisode des Pokémon obscurs. Si des personnes malfaisantes voulaient créer à nouveau des Pokémon obscurs, nous voulions être capables de sauver ces Pokémon. Eden, ton père y croyait passionnément. C'est pour honorer son travail que je dirige le laboratoire Pokémon. Si ton père était présent, il serait ravi. Pendant mon absence, tout le monde s'est rassemblé autour de Lily pour boucler ce projet. Bien, Eden, tu seras le premier à l'utiliser. La grande histoire du purificateur commence avec toi. Mais d'abord, il faut expliquer rapidement le fonctionnement du purificateur. Ah mais moi je sais comment ça marche. Hein. Et on passe. Enfin je sais comment ça marche, ouais, j'ai des vagues souvenirs. On verra bien. On s'en est là? Ah ça y est, je me disais aussi. Wow Eden, c'est à toi que revient l'honneur d'inaugurer le purificateur. Ah oui, il veut que j'aille tout de suite en gros, c'est ça. Ouais bah c'est bien, on vient plus tard. Je peux partir? Oui. Je pense toujours comme ça. Va. Qu'est-ce qu'il veut encore? Là, je veux partir. Là, je peux partir, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on va me faire encore? Qu'est-ce qu'elle fait encore là, Lila? Merci. J'ai des choses à faire moi. Et je reviens après. Je peux pas être partout, moi. Arrêtez de jacasser tout le temps. Alors, vous l'avez là. Pour Titeuf. On va le nommer Titeuf. Ah non, c'est pas lui qui est prêt. Moi ça doit être... Ah je sais plus c'est qui est prêt. Ah oui, c'est Obali et Malos. Bah on va appeler Titeuf plus tard. Non, pas de surnom. Malos maintenant. Ah, puis j'ai envie de le garder dans l'équipe. Faire le duo. Faire un bon duo avec Noctali. Et ce qu'il faudra aussi, c'est garder un Pokémon haut. Donc j'hésite avec Obali. L'autre là, le poisson là, je sais plus comment il s'appelle là, le poisson. Ah. Il est encore obscur par contre. Je vais regarder où ils en sont les autres là. Les trois là. Trois mousquetaires. Ah oui, il est presque vrai.
Lui aussi, il lui dit. Ah, oh, ils sont presque prêts en fait. Alors, moi, ce que je propose là, les gars, c'est de faire quelques petits combats. Le temps de les. Puis revenir là, une fois prêt. Mais vous vous foutez de moi. Ah, ouais, toi, tu es déjà prêt. Mais c'est parfait, ça. Parce qu'en marchant, ça marche aussi. Mais en combattant, ça va plus vite. Ça c'est pas mal. 3 Pokémon d'un coup, ça c'est bien. Après, je vais aller au centre Pokémon pour aller sur le PC là. Et le purificateur qui est dans le labo, ce sera pour quand il n'y aura plus de place dans le PC. Il me semble que c'était comme ça en. On verra bien. Des vagues souvenirs j'ai. Ah, il évolue l'énergie, il va évoluer l'énergie. Je vous avais dit les gars, je me connais en Pokémon. What what, il évolue en l'énergie. Ah non, même pas. Je crois que c'est ah si, c'est ça. Non mais c'est parce qu'en fait il a 3 évolutions en fait. Je crois qu'il est, oui c'est même si il a une 3e évolution, mais je sais plus. Le nom du coup. Parce que je croyais que l'énergie c'était le sa dernière évolution en fait. Je m'en rappelais plus que. Bon. On laisse ça comme ça. Autant pour moi. Bon, on viendra plus tard. Tout à l'heure j'avais soif et maintenant j'ai faim. Oh, je pense qu'à ça. Mais avant, on finit l'épisode. En plus, j'avais hâte de le faire. Alors, attendez. Ah, c'est lui le Pokémon O que je voulais, là, que le poisson là dont je vous parlais. Donc, c'est Carvana qui s'appelle. Et puis, je le veux dans l'équipe. Comment je fais? Faut tirer. Oui, c'est ça. Ah, mais vous m'embêtez, hein. Mon kikiné. J'arrive même plus à me servir de mon truc. On y arrive. Déposer. Lui, on a dit que je le gardais. Lui, déposer. Les deux autres, je vais les déposer, mais pas tout de suite parce qu'ils sont presque prêts à être purifiés. Il y a un moustique qui passe juste devant l'écran. Bravo. Bon, je pense pas quoi vous voyez, mais alors, retirer. Ah, puis il passe encore. Hein. C'est un moucheron en fait, c'est pas un moustique. Alors, je vais prendre Malignon aussi. Voilà, et je reviens plus tard. Là, Titeuf il est presque prêt. Hein. Bon, un petit combat s'il te plaît. Elle veut pas combattre, elle est sérieuse. Bon, d'habitude elle dit oui, d'habitude. Flemmard. Lui il dit jamais non, pardon. Ah si. Ah mince. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous voulez faire un combat moi? Oh. Mon dieu de pipe. Bande de flemmards, vous êtes à la retraite ou quoi? Ah, je vais chercher une baie en fait, j'ai oublié ça. On va en faire une promenade santé, hein. Ah, un prêt. Il reste Granipu encore qu'un encore une petite marche quand même. Ah, et là. On voit rien. Ah, je sais, je vais chercher des Pokéballs en attendant. Et des massages aussi. Non, des Pokéballs, peut-être pas, hein, parce que j'en ai plein. À moins qu'ils en ont des Super Balls, ça m'arrangerait. Ah, il n'y a pas de Super Balls. Parce que
Et c'est ça qu'il va me falloir maintenant. Je dépense tout là-dedans, là. Ça coûte cher, hein, tout ça. Bon, bah, j'en prends deux, du coup. Hein. Voilà. Tous les combats que j'ai fait avec les voleurs là, bah, j'ai pu m'acheter 11 trucs de massage là, pour les Pokémon, et 2 Pokéballs. Et là je suis déjà ruiné. Ça part vite hein. En réalité avec moi, c'est comme ça aussi. Ah voilà, on est prêt. Avec toutes les pizzas que je mange et tout, je peux vous dire que... 15 euros par jour, ça commence à faire. Hein. La paye à la fin du mois. Il y a le loyer aussi. Hein. Bon, ça y en a rien. Alors, hop. En fait, le Eden virtuel, il est comme le Eden le vrai. Exactement le même. Bon, pas physiquement quand même, mais intellectuellement. Après tout, c'est moi qui dirige mon personnage, hein, donc... Moi qui décide ci, qui décide ça, on va ici, on va là. Ça, c'est fait. Ah, il évolue. Yes. En tant qu'Alice, il me semble. Ouais, c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait une évolution entre les deux. Ah, si. Bon, bah, c'est pas Tangalis, alors. Tangalis, c'est l'évolution finale. Granit Pio avant, effectivement. Ça se voit, j'ai plus beaucoup joué à Pokémon. Hein. Le dernier jeu que j'ai fait, là, c'était Pokémon épée. Et j'ai vite fait aussi fait Pokémon Donjon Mystère. Un vieux. On a un autre en fait. Là. Titito. Eh, je m'en fous les mecs, hein, je l'appelle Titoff le bonhomme. Sinon je l'appelle Banane. Le petit top. Ah bien sûr, ça c'est bien ça pour les ennemis là. Mais non, je vais pas le garder dans l'équipe. Je vais trouver assez laid. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais plutôt garder le poisson moi. Quand je connais pas les noms des Pokémon, souvent je leur donne des surnoms bizarres. Et celui-là, il est obéissant, il n'est pas comme celui qui est dans la bande dessinée. Il est sous mes ordres. Alors, il est où? Là. Et là, je l'ai sauvé de l'emprise des voleurs, c'est bon. Bon, donc là, normalement, c'est bon. Bon, bah, le moucheron, il se balade sur la télé maintenant. Parce que j'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure et du coup, voilà quoi. Ouais, je déteste les insectes. Et encore les moucherons, ça va, mais le reste, non, j'aime pas ça du tout. Même autre fois, j'avais une punaise sur le rebord de ma fenêtre. J'ai un petit peu flippé. Je voulais qu'il aille dehors, mais il n'est pas allé dehors. Du coup, j'étais obligé de l'écraser. Donc, je fais quoi là? Je garde qui? J'aimerais bien le garder. Faut que je m'occupe des autres aussi, mais je peux voir. Ah non, déposer, j'aurais dû faire. Oh, ça irait beaucoup plus vite. Petit œuf, je te dépose. Là, et là, j'en prends deux. J'en ai pas d'autres là. J'en ai mis qu'un.
retirer. Et... ouais, oui. Mais non, je vais pas dire résumé, j'ai dit retirer. Oh. Je vais aller trop vite. Voilà. Bon bah ça c'est fait, maintenant on va pouvoir retourner au labo. Donc faut que je fasse quoi maintenant? Faut que je cours après ma petite sœur. Parce que je vais lui partir là-bas tout à l'heure. Où est-elle? Ça se trouve, elle s'est cachée sous mon lit encore. Ah, c'est l'ordi, c'est l'homme qui traficote tout le temps son ordinateur, non? C'est étrange alors. Je me demande où il est parti. Ok, donc du coup, c'est le gars qui est là qu'il faut que je retrouve. Je sais pas moi où il est parti. Ah, lui, il est parti de sa cachette. Bizarre qu'il soit dans ma chambre. Il n'est pas dans ma chambre. Tiens, on va prendre une issue. Bon, il est où? Je me tourne sur mes pas là. Il y avait plein de monde là tout à l'heure, mais c'est tout parti. Autant pour moi, j'ai confondu. En fait, le monde, il est là. Ils sont tous restés là. C'est pas lui que je cherche. Oui, je sais que c'est un gars avec les cheveux bleus qui était là-bas. Non, c'est bon. Donc, bah, je parle à tout le monde, hein, parce que là, je sais pas quoi faire. Il veut que j'aille voir Lila, mais c'est déjà fait. Je vais déjà aller la voir. Ça, c'est vraiment ça. Bon, rien de plus. Ben, je sais pas quoi faire, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À qui est-ce que je parle? Bon, ben, moi, je vais partir. Hein. Bon, ben, au revoir. Et eux là. Ah, apparemment ils ont perdu quelqu'un. Tiens bah il est là. Ah désolé professeur, je n'ai pas réussi. Hein? Ah c'est toi Eden, tu m'as fait une peur bleue. Ce disque rhum est protégé comme le coffre d'une banque. Il faut être vraiment doué pour passer au travers et accéder au contenu. D'où étudie? Ah, professeur, je suis désolé. Ah, ce n'est pas grave. Et si nous avons besoin de quelqu'un de doué, eh bien, j'ai peut-être une solution. Qui ça?
Eden, je suis désolé de te demander ça, mais pourrais-tu porter le disque rock à l'ONBS à Pirit? L'ordi, donne le disque rock à Eden, s'il te plaît. Tout de suite. Thank you very much. L'ONBS est connue en tant que chaîne de télévision, mais c'est bien plus que ça. Les fondateurs de l'ONBS ont joué un rôle dans la révélation de la conspiration du groupe Ombre il y a 5 ans. Apporte ce disque rom à Net de l'ONBS. C'est le bras droit de Len, le chef de l'ONBS. Je suis sûr qu'il réussira à accéder au contenu de ce disque rom. Ok. Voilà. Me voilà. Ouh, c'est glauque. C'est glauque ici, hein. Laïla, attends-moi. Ah, c'est des journalistes. Enfin, je crois. Je pense, ouais. Laïla, attends-moi. Vas-y, cours. Attrape-la. Elle a la bougeotte, cette Laïla. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais qui je suis? Marc, le gardien de Pirit. T'arrêtes de me regarder comme ça? Tu veux te battre, c'est ça? Ouais, je veux bien. Marc, le gardien de Pirit, va pas te louper. Eh ben si, il va me louper. Ah oui, les gars, il va me louper. Faut faire un peu. Bah, ils ont peut-être des Pokémon obscurs là, les gens là, du coin là, on va voir ça. Hein. Je vais tous me les faire, moi. D'un coup, alors là, déjà. Je pense que les dresseurs me sous-estiment un peu trop. Hein. Alors, tac. Ici, merci. Ouais, on va avoir le niveau 26. Oula, Malos contre Malos. Heureusement que j'ai une Nightali qui est là pour. Je vais mettre mort sur eux. Et feinte, parce que là, la mèche a beau faire. C'est tout. Ah, je pensais pas que ça allait faire que ça. Hein. Bon. Je suis dégueu. Je vais mettre une autre attaque alors, comme morceau. Je vais mettre poursuite. Et là, bah. Flamèche alors. Mais je pense pas que ça va faire grand chose, Flamèche. Oh bah ça, c'est pas terrible non plus. Hein. On va être obligé de faire un troisième round. Il a pas lancé son Flamèche là. Oh. Thank you.
Ah oui, en fait, ça l'affecte pas, c'est pour ça que j'ai cru voir ça. Moi, j'aurais dû rester sur 30 alors. Oh non, encore un bout de vie là. Et voilà, quand même. Bon, il avait pas du tout Pokémon obscur, hein. Allez, hop, niveau 26, yes. Oh. Il n'a pas fait de galipette, mais il s'est laissé tomber par terre. Comme une vieille merde. Ben, t'es pas mauvais. T'as réussi à me battre, alors t'es même carrément bon. Et ouais. Et toi, tu veux bien faire un combat avec moi? Non. Toi, à Majorette. Non. Je vais aller voir les bâtiments là. Son bureau. Ah, c'est une voyante. Avec la boule. Vous cherchez quelque chose, vous avez perdu quelque chose, je suis là pour vous aider. Bienvenue dans le cabinet de voyance de Mira. Ouais, ça c'est, ça sent l'arnaque ça. Vas-y, 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 dégage. Bon, bien. Alors. Je pense que la voyance ça existe, mais l'arnaque ça existe aussi. Donc, fais attention, hein. Alors. Là, hyper potion. Ok. Voilà, qu'est-ce que t'as foutu comme connerie pour finir là-dedans, toi? Ah, je squatte, hein. Je peux pas visiter les prisons. Genre Eden, il veut les libérer. Et après il tourne le voilà, regardez, il est gêné, on dirait. Je m'appelle Hubert, je suis le chef de la police de cette ville. Tu m'as tout l'air d'un dresseur en voyage. La paix est revenue dans cette ville, mais ce n'est pas encore parfait. Il ne se passe pas un jour sans qu'une bagarre n'éclate. Faites attention, il risque de s'en prendre à toi si tu t'approches trop. Ok, merci de m'avoir prévenu. De toute façon, je voyais bien que c'était glauque là. Tiens, qui est-ce que je vois? Oh, c'est Gaffard. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Pourquoi on maniganserait quoi que ce soit? La confiance règne, on se promène, rien d'autre. Mais oui, bien sûr, je les connais, les gens comme vous. De la mauvaise graine, c'est tout. Pourquoi vous êtes toujours après nous, monsieur Clément? On a changé, on est devenus des citoyens honnêtes. Ça ne prend pas avec moi. Je vous ai à l'œil, vous deux. Ça sert à rien. Allez, gaffe, on bouge. Ouais, bah, je pense qu'il a raison, le policier. Hein. Je ne sais pas, mais... Tu veux faire un combat, toi? Ah, on dirait. Non. Il m'a posé une question. Oui. Oui, on voit. Il veut pas tout voir. Tant pis. Tant pis pour lui. C'est quoi ici? Une grand-mère. Ça me rappelle le fond de l'estomac du requin dans Pinocchio, je sais pas pourquoi. Tu veux faire un combat, tant mieux. Non? Non, moi tant pis.
faut aller voir là. Faut aller voir ici. Ouais, y a rien. Hein. Ah, c'est l'ONVS. Il avait parlé de ça tout à l'heure. Sur la télé. C'est quelque chose, toi, non? Non. Moi, je me casse. Y a même pas d'objet, y a rien. Ah, je me pose une question, qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas en fait, mais j'en ai rien. T'as des super boules, mec, ça serait bien. Putain, il en a pas, hein. Il a même pas de pokéball. Il a pas de massage non plus. Il a que dalle. Moi je suis ruiné là. Ouais super. Dis fais-tu faire combat? Ah bah voilà enfin un gars qui veut faire combat. Super, j'ai besoin de me défouler un peu. Il doit être en pause. Je sais pas, il est habillé en mode comme un mec qui fait les travaux quoi. Un ouvrier quoi. Bon alors, morsure. Flamèche. Oh, j'aurais peut-être dû tout mettre sur ma unité. Bon, tant pis. Pas grave. Ah oh, c'est tout. Ah bah oui, bah là je suis deg, j'aurais vraiment dû mettre tout sur magnétique. Parce que je sais que l'électricité, ça... enfin et le feu, voilà, enfin, le feu est plus fort. Alors... bon, je vais faire ça, je vais inverser les rôles là, hop, voilà. K.O. J'ai perdu. Bon, j'ai bien transpiré. Il est fou lui. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui vous dit ça comme ça. Il est débile lui. Il voit ça quoi. Dégueulasse. Ah, c'est pour se reposer ici. Ah, mais il veut que je paye. Bon bah, je paye. Merci. Je sais pas si c'est une arnaque ou bon, mais... 100 dollars en gros. Je peux me promener quand même. Il a soigné mes Pokémon. On sait que déjà, soigner les Pokémon, c'est gratuit normalement. Antiparra. Bon, bah, on va dire que j'ai payé pour un antiparra. Bon, bah, lui, il rêve. En effet. Dans les nuages. Une jolie jeune fille. Non, rien de spécial. Moi, je rentre dans les champs comme ça, tranquille. C'est peut-être la mienne celle-là. Et j'arrive pas à atteindre l'objet là. Et je vais faire le tour. Un bandeau. Ok, merci. Oh,
Enfin, en gros, tout ça, ça m'a coûté 100 dollars. On peut y retourner, hein, parce que après, les objets, ils vont pas revenir. Les objets payés, donc... Alors, lui, là, il y a quelque chose, quoi. Bon, moi, je m'en vais. Ça m'a l'air d'être une place de combat, ça. Est-ce que je fais ça maintenant? Oui, allez. Pourquoi pas. Bon, les gars, on va finir l'épisode sur ces quatre dresseurs, là. Ah, je sais pas, ils sont 4 ou 6, j'ai pas fait gaffe, en fait. Regardez vite fait. Il me semble que c'est 4, je sais plus. Morsure, flèche. Je vais tous me les faire, moi. Ouais, d'un coup, c'est bien ça. Ouais, je vais avoir le niveau 18. Capement. Ah, j'ai pas assez grillé. Ah non, bien sûr. Si, et plein de chute là. Il n'y a pas de Pokémon obscur, hein. Morsure. Un mèche. C'est souvent les mêmes attaques. Hein. Là, ça devrait suffire pour le mettre KO. Ah, même pas. Oh, je suis dégue. Je pensais que ça allait suffire, moi, deux attaques. Oh. Je vais tout de suite. Et fin. Voilà, prends-le. Je ne pensais pas perdre, je suis surpris. Et ils tombent par terre. Ils font pas de galipettes ici, donc par terre. Si quelqu'un te provoque en duel, c'est normal. Ça marche comme ça sur la place des duels. Ah, j'avais raison, c'est la place des duels. Il ne faut pas se plaindre, hein. On espère. Donc en fait, ils sont... En fait, il en reste 4. Ils étaient 5. Tu veux te battre avec moi? Ça se lit sur ton visage. Bah oui, évidemment, tu me battes. Mais tout sur le Pokémon haut parce que comme j'ai un Pokémon feu là, voilà quoi. J'ai pas envie de prendre de la flotte. Voilà. Ça, c'est un problème de régler. Un bon petit poursuite sur lui là et flammer sur l'oiseau. Cornel.
Oh, ça c'est pas gentil ça, hein. Bien sûr, là et fin ici. Oh non, alors KO. Moi je vais y soigner un peu. Ah, mais ils ont pas trop de Pokémon ici. Je mets qui là? Là on va en finir. Ah ça m'énerve, il a eu un lance KO là. Bon finalement je vais pas les soigner les Pokémon. Tant pis pour mal, ce sera beaucoup plus tard. Ouais si quand même. Je vais aller les soigner quand même. Alors. Voilà, je vais aller soigner. Et on va refaire les trois autres après. Pas mal, la prochaine fois ça se passera pas comme ça. Mais oui, bien sûr. Parce que là, ce que je vois, il n'y a pas de son Pokémon normal. C'est trop glouc pour qu'il y en ait. Je vais aller soigner ici. Enfin, on vient souvent dans ce village-là, j'aurais peut-être dû changer. Hein. Je vais prendre ce Pokémon. Là, j'ai personne de prêt pour le purificateur. Bonjour, tu sais, mes Pokémon et moi sommes parfaitement sortis. Nous sommes invincibles, tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais. J'ai pas peur, hein. Pas parce que t'as des gros muscles que j'ai peur. Hein. Je sais qu'il va perdre. Alors. On va commencer par marcher ici et fin ici. Ah non, attendez. Parce que Pokémon eau quand même, faut se méfier. Pokémon eau contre Pokémon feu.
Je parle bien pour Malos, parce qu'un acolyte quand il y a un feu. Ouais, mais c'est fini, hein. Oh, il lui reste encore un petit PV, oh non. J'en reviens pour. Mais attendez-moi. Ah, enfin gaspiller une attaque. Je vais lui mettre tout le reste sur match-up là. Bon. Bon, la charme ici et feinte là. C'était pas du tout passé comme j'avais imaginé. Là, je vois le niveau 27, c'est bien ça. Tout ça, c'est pas cool ça. Alors, quand il dort sur nous, c'est compliqué même. Faut faire que ça. Alors. Voilà. Bon, ici ils ont pas de Pokémon Explorer. Vu que les trois ils en ont pas eu, les deux autres c'est étonnant qu'ils en ont. Par contre après quand on continuera, je suis sûr qu'il y en a plein. Ce n'est pas possible, Mira m'avait prévenu, m'avait prédit que je resterais invaincu. Ah oui, Mira c'est l'arnaqueuse là-bas là, la voyance, la voyante. Vous l'avez dit de vous méfier. C'est combien de Pokémon lui? Deux? Non, il en a quatre. Ah oui, quand même. Bon, ça va le faire. Ouais, d'un coup. Ça, c'est bien ça. Il me fait penser à un gant de toilette. Alors. Ah. Et lui, il me fait penser à un ton. Bon, il est presque KO, mais. Il coccinait, là, Ah, en fait, ça veut pas quoi. Coccinait, il s'appelle Coxy. Alors. Morsure et fin. Voilà. Au revoir Foxy. Oh Tolipi. On en avait déjà vu un au début du jeu. Vous n'avez pas des corails au moins. Morsure. Ah, c'est dommage de faire de mal à une... c'est un petit Pokémon. C'est un bébé Pokémon, hein. Il vient juste de sortir de son œuf. Là. Enfin, il n'est pas vraiment sorti de son œuf, parce qu'il y a son œuf autour de son corps, mais bon. Voilà. Ça c'est fait. J'ai envie de pleurer. Bah vas-y, pleure. Ah, elle est tombée un peu différemment des autres. Elle est tombée sur les genoux. Si tu as envie de te battre, passe nous voir. On est toujours à la recherche de nouveaux adversaires. Ok. Je les ai tous faits là, ça y est. Bon. Je me casse. C'est quoi ça? Un engrenage de grande taille est en mouvement. Ouais.
il veut faire quoi? Ah non, il veut que je tourne. Oh, ah, tu rêves petit, c'est pas aussi facile que ça, on a l'air. Bah reviens quand... dans une petite vingtaine d'années et on verra. Il se fout de ma gueule en plus. Laisse-moi essayer au moins. Oh, il est pas cool. Moi je pense plus que j'y arriverai avec mes petits bras là. Bon les gars, je vous propose qu'on s'arrête là. Après je sais pas si on commencera à droite ou tout droit. Parce que là je vois qu'il y a deux trucs. Donc on verra. Donc sauvegarder. Et on se rejoint pour le prochain épisode.